Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Free Out Québec. Aujourd'hui, on est en série récréatif Portneuf. C'est l'heure de notre dig annuel de début d'année, notre dig légendaire qu'on se ramasse comme 150 personnes pour venir ouvrir le réseau. Ça fait que les gens arrivent tranquillement, on commence à sortir les outils. Fait qu'on va aller souffler les feuilles, arranger le bike park, refaire les transitions, refaire les sauts. On s'assure que tout est beau. Après ça, en PM, on ride tout le monde ensemble. Fait que c'est notre petit coup de lancement de l'année d'habitude. Ça fait que premier épisode de 2024. Ça fait super du bien de revenir vous montrer qu'est-ce qu'on fait ici à Portneuf. Ça va, mon cher? Oui, toi. En forme? Yes. L'homme, la légende! Hey, salut! Monsieur Jerry! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, numéro 1. En forme? Hey, guys. Yes, comment ça va? Foreman? Yes, yes, yes. Hello. Yes. Yes. Aïe, aïe. Je comprends que c'est problématique, cette place-là. C'est du gaz d'hiver dedans. Ça, c'est pour toi. Ça va rider? Ah non, elle a bouffe. On ride après. Yes, man. Ça va? Forme? Ouais. Yes. C'est bon, je t'enlève ta chaussure. Puis, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Ben, on va aussi prendre un break. Fait que là, on a fini de diguer. On avait un petit peu moins de monde que d'habitude. Puis ça a super bien été quand même. On a mangé de la bonne pisse de chez Paquette et de la bonne bière de Roquemont. On a testé ça un peu tranquillement. Ah, c'est ça, et puis là, boss! Ah, première vraie journée de bike de l'année, maudit que ça fait du bien! Tout le monde a du fun, pas de blessés. Come here. Moi, j'ai pas mon conti, mais il va avoir pas mes cochonneries. Ça vaut 27, fait que nous, on va être en mode inversé. Faut croire. Aïe, aïe. Quoi tu fais? Oh, c'est beau! Ça va être space, ça, c'est ton affaire. C'est pas moi qui ouvre la piste. Je vais vendre le concept à Pink Bike. Aime ça, les affaires niaiseuses, de même, eux autres. Je le sens vraiment que ma roue est plus petite en avant qu'en arrière. Hey, c'est pas une bonne idée, ça. On a mis fat en molette. Des molettes au maid. Ouais, c'est parce que je suis. Moi, je suis molette inversée. Tu te prends grosse? Ouais, bon. Aujourd'hui, dans le domaine des bonnes idées, on va rouler un molette inversée. Fait que j'ai prêté ma 29 à Pat pour qu'il voit comment son bike est en molette. Donc, moi, j'ai un molette inversée. J'ai sa 27 en avant. Et Colin, c'est sketch. C'est pas si pire.
Eh, si bon, non, j'aime pas ça, c'est dangereux. Yep. Oui? Merci. Pas si mal? C'est cool. J'aime bien ça. Ça avale plus le terrain, pour vrai. Là. Ben, on va faire une des petites sites. J'essaie vraiment de comprendre comment qu'un petit bac comme ça, ça se comporte dans les trails. Ça fait que, mettons, la 1B, ça, ici, ça, ici, ça, ici. J'ai flatté. Là, qu'est-ce qu'on a pas fait? J'ai pas la 4 en trail bike. Excusez, c'est un nouvel univers pour moi. De pogner le fond de ses suspensions pis d'avoir le rebond qui te ramène. Là. Hop! Faut faire attention après ça. Alors. Ça ici. Yes. Ah! Un petit peu de limite pour poigner la fin du pas. C'est pas si pire. C'est quand même une petite affaire plus. Mais pour les jumps, c'est tellement prime pour vrai. Je déteste pas. Rider! Fait que bon, ben ça vaut quoi, guys? Ça va être la fin de cet épisode de Freeride Québec, premier épisode de 2024. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, c'est ce qu'on peut remarquer. New Bike Day!